Chao, Va bien. Va bien. bien, pues eh, vamos a, a comenzar la última sesión. De... Tenemos en, en primer lugar para, para abrirla a Mauricio Lazzarato, que es eh, sociólogo y filósofo. Eh, Mauricio viene realizando un trabajo muy intenso durante los últimos años en torno a una cuestión eh, central para pensar la subjetividad eh, contemporánea, que es la, la cuestión de la deuda. Eh, él ha publicado algunos libros eh, que para mí sumamente relevantes sobre estos asuntos, como eh, La fábrica del hombre endeudado y eh, Gobernar a través de la deuda, que se tradujeron al... Al castellano, los dos están publicados, eh, si no recuerdo mal, en Amor Ortu, eh, que son sumamente interesantes para pensar justamente estos cruces ¿no? entre economía y subjetividad, eh, desde esa centralidad de, de la deuda. ¿no? Eh, de alguna manera, eh, suturando eso. Eh, abismo ¿no? eh, habitual entre los eh, elementos, si queréis, estructurales y aquellos que normalmente en una tradición ortodoxa podíamos relacionar con la supraestructura. ¿no? Eh, justamente la deuda es el punto eh, de unión ¿no? o de síntesis donde eh, confluyen estas dos problemáticas en el mundo contemporáneo y probablemente ahí las aportaciones de Mauricio son sumamente relevantes. Lo que en principio eh, tenía preparado para hoy era una reflexión, es una reflexión que tiene que ver con trabajos más recientes. Donde de alguna manera uh, extiende esas, uh, esos, uh, esas reflexiones, esas uh, uh, aproximaciones a la cuestión de la deuda hacia su repercusión en las nuevas guerras de raza, sexo y género, tras el. perdón, sexo y clase, tras el colapso financiero del, del 2008. ¿no? De hecho, ha publicado muy recientemente un libro con Eric Allier que se titula et capital, o sea, Guerras y Capital. Y uh, está próximo a publicar. Autre volume qui s'intitulera Guerre et Révolution et qui euh, apparaîtra euh, prochainement. Bonsoir. Euh, bah, merci pour l'invitation. J'ai déjà parlé quelques fois dans cet amphithéâtre. Donc... Ah, je vais parler en français parce qu'il m'a été demandé de parler en français à cause des de problèmes de traduction. Donc, euh, j'avais préparé un texte que je vais utiliser seulement en partie parce que je voudrais, par contre, un peu intervenir sur ce qui a été dit ce jour-ci. Je voudrais euh, commencer par, euh, par ce que euh, Marcel a rappelé hier, Alors, cette définition qui est donnée par des historiens du siècle, du XXe siècle, comme siècle court ou comme siècle long. Je trouve que c'est une définition très académique, et très vide en réalité. Hein? Je préfère appeler le XXe siècle le siècle des guerres et des révolutions. Et je vais m'expliquer pourquoi. Et pourquoi c'est important. Le XXe siècle, c'est le, le siècle des guerres. Il y a eu trois guerres mondiales. Pas une. Un, deux, trois. Guerre froide, c'est la troisième guerre mondiale. Qui, en réalité, c'était une seule et unique guerre civile. Hein, qui a commencé avec la Révolution russe et qui a terminé dans les années 80 avec les guerres civiles en Amérique du Sud. et l'Amérique centrale. Hein? Ça, c'est très important. c'est n'est pas la, le, le siècle court, le siècle long, c'est le siècle des guerres hein? et des guerres civiles. Et on va voir autour de quoi. Hein? Parce que notre monde sort de ce 20e siècle. C'est le siècle des révolutions. Et il y a un rapport très étroit entre guerre et révolution. Hein? C'est les deux concepts qu'on a complètement oubliés, qu'on a sorti du débat politique et du débat théorique, et on discute des choses comme ça, hein, sans se rendre compte voilà, de, cette, de, de cette provenance, hein, de d'où on vient. Les révolutions ont commencé avec la révolution, disons comme ça, euh, euh, soviétique. La révolution soviétique hein, très importante, hein, ça ne m'intéresse pas, euh, les débats qu'il y a eu hier avec, euh, avec Anselm Yap hein, sur, sur les suites. Le problème, c'est que la révolution russe a ouvert un cycle des révolutions. Ainsi que, très important, il y a eu la, la faillite de la révolution euh, européenne, européenne, tout est sud après la guerre, la révolution chinoise, hein? les révolutions de la décolonisation, très importantes, là il y a guerre civile guerres civiles qui ont, ont ensanglanté le monde, euh, tout le monde, guerres civiles euh, pour la libération contre la colonisation, et ça vient directement de la révolution soviétique, ok la plus importante entre elles, celle évidemment, euh, euh, la guerre que euh, les camarades, euh, les, compa les compagnes du euh, Vietnam hein, ont accompli contre les impérialistes. Ils ont mis à la merde d'abord les Français et après les Américains. Ça, c'est un, un truc absolument euh, extraordinaire qui a été fait et qui après a enclenché hein, la, les, 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 la décolonisation in, in, en Afrique. Tout ça a continué jusqu'à l'étrange révolution de 68. Et ça, c'est le grand problème. Parce que la révolution de 68, c'est une révolution tout à fait spécifique, hein, qui a une caractéristique de pas seulement d'être anticapitaliste, mais d'être aussi antisocialiste. Hein. C'est ça le problème. Le gros problème, c'est qu'effectivement, la partie la plus intéressante de la révolution. Euh, des 68, de l'étrange révolution de 68, ça a été effectivement la critique de la révolution soviétique. Après, je vais, je vais expliquer. Mais on sort de ce... Le problème, c'est que l'étrange révolution de 68, on l'a perdue. C'est-à-dire que c'est le capital qui l'a gagné. Hein? Et ça, c'est un problème. Parce que nous, on sort. De, depuis 50 ans, on continue à perdre. Hein, parce qu'on a perdu sept moments. 68. C'est sur ça qu'il faut revenir, mais à bord. Et, et pourquoi il y a eu le rapport Quel rapport il y a entre ces guerres, les siècles de guerre et les siècles de révolution hein Parce que le capital a voulu absolument éliminer à la racine la possibilité même du communisme. Hein mais la si on le dit en termes matériels, le, le communisme, c'est quoi hein C'est l'abolition de la propriété privée. La bataille, tout le XXe siècle, se jouait autour de la guerre civile contre, autour de la propriété. Je voudrais dire à Marie euh, qui a parlé tout à l'heure, hmm? on ne peut pas considérer la communauté comme ça. Hein? Dans le capitalisme, il n'y a pas la communauté, il y a un rapport de domination qui se structure autour de la propriété. Hmm? C'est la propriété qui structure le rapport dans lequel euh, on est. Keynes, qui n'était pas un révolutionnaire, hein? Keynes disait, pour sauvegarder la propriété, les capitalistes sont disposés à éteindre les soleils et les étoiles. Hein? Ils ont fait 60 millions de morts pour garder... C'est ça le 20e siècle. C'est pas ni court ni long. C'est 60 millions de morts pour sauvegarder la propriété. Hmm? Et c'est de ces siècles qu'on oh, euh, sort. Mais... Je voudrais, avant de, de revenir sur 68, pour comprendre quest ce qui s'est passé en 68. Et donc, effectivement... Euh, il faudrait se concentrer sur cette, sur cette question. Parce qu'après, le, le, les guerres et les révolutions ont complètement disparu. M'ont complètement disparu. Elles hein? ont complètement disparu parce que le capital a gagné et parce qu'il conduit une guerre sans avoir des oppositions. Hein? C'est ça la grande réalité. La grande force. Euh, parce que la révolution soviétique, qu'est-ce qu'elle fait La révolution soviétique, elle arrive à l'accomplissement d'un cycle de lutte qui avait commencé au 19e siècle. Hein la, elle arrive au début du 20e, du 20e siècle, c'est la fin du 19e. Et elle ouvre le, le cycle vers le 20e. Avec beaucoup de limites, mais avec cette capacité. Et d'ailleurs, voilà la chose importante que je voulais dire par rapport à ce que j'ai entendu hier. Hein de, de celui qui a parlé sur le matérialisme historique. La révolution russe, hein, elle a été faite contre le matérialisme historique, si on le prend de ce point de vue-là. Parce que le matérialisme historique prévoyait euh, la théorie des stades. Hein, il faut d'abord le développement des forces productives, il faut euh, euh, que s'établisse la, la bourgeoisie comme pouvoir, et après seulement, quand on aura euh, atteint euh, les niveaux des forces productives d'un certain niveau, là, on fera le communisme. Lénine va contre la causalité historique. Il va rompre la causalité historique. Hein Il va la rompre. Hein Il dit, on ne va pas suivre, parce que les Mensheviks et les autres pensaient ça. Ils ont non, c'est trop tôt. Marx avait prévu, effectivement, hein, que la révolution n'aurait pas eu lieu en, en, euh, en Russie. Hein elle, avait, elle, devait, elle devait avoir lieu en Allemagne. C'était le, le, le moment le plus élevé. aux États-Unis, hein, où les capitales, est, est, a les rapports de, de, de production les plus élevés, où la classe ouvrière est la plus, euh, est la plus mûre pour la révolution. Lénine dit non. D'ailleurs, ça, c'est tellement fort dans la tête des gens qu'encore aujourd'hui, il y a cette théorie. Hein. Si vous prenez le post-opéraïsme, pense, pense encore que, le, que la révolution va être faite par l'ouvrier les, par les, par cognitif. Ça, ou par qu'on va aller, c'est le lieu où on aura la révolution. Ça ne se passera jamais comme ça, c'est sûr. Eh, mathématiques. L'ouvrier cognitif ne fera jamais la révolution et s'il le combat, ce n'est pas le lieu de la révolution. D'ailleurs, les révolutions sont, ont continué à se reproduire, mais à l'Est. Hein? Elles sont allées en Chine, elles sont allées, elles sont allées eh, en Afrique, eh, le Sud-Est asiatique. Hein? Les révolutionnaires, révolutionnaires vietnamiens n'étaient pas au centre de la production de la valeur. Hein? Ils étaient des paysans. OK? Et comment on explique ça Selon la théorie du matérialisme historique, c'est impossible. Et pourtant, ils ont, ils ont mis à la mer, une fois, d'abord les Français et, et après les Américains. Il doit y avoir quelque chose qui ne colle pas dans la théorie. Et Lenin avait... avait mais on va voir tout à l'heure que... Ça va, euh, cette chose, on va la retrouver à 68. Mais d'abord, je voulais dire une chose, euh, je vais répondre plus tard, cette histoire euh, de la suite des de, de révolutions, de la défaite de la révolution de 68. Ça concerne que le XXe siècle, ce n'est pas seulement la guerre des révolutions, ce n'est pas seulement les guerres, le, le siècle des, des guerres, c'est aussi le siècle du changement de la temporalité historique et de la temporalité politique. Ce n'est plus le futur, le temps de la, de la critique, de la révolution, de la pratique politique, mais depuis la Première Guerre mondiale, ce n'est plus le futur, c'est le présent. Hein? Ça, c'est le changement. La temporalité future qu'on trouve ici, mais étant donné que je suis invité les dernières trois fois, j'ai fait trois musées, partout il y avait des problèmes du futur, et chaque fois j'ai dû dire, écoute, moi je ne suis pas d'accord. Hein? Le problème, ce n'est pas le futur. Le futur, c'est la, la, la temporalité qui va des lumières à la Première Guerre mondiale. Hein? C'est la, 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 la temporalité politique hein, qui est caractéristique de la, de la Révolution française. et et du 19e siècle. Reproduire aujourd'hui les discours sur le futur, hein, ça veut dire s'être trompé d'époque, malheureusement. Mais c'est normal, hein. tout le monde dit qu'effectivement, futuribilité, eh, le futur du travail, le futur du communisme, le futur. Mais le problème, c'est que depuis la Première Guerre mondiale, hein, histoire, et, et je vais expliquer très rapidement pourquoi. C'est une question très importante. Qu'est-ce qui s'est passé La Révolution française a introduit une rupture radicale, une rupture de la, de la temporalité. Hein C'est un événement. Si vous lisez un livre, que, il y a deux livres sur ça qui sont magnifiques, dont le livre de Kozilek, Reinhard Koselek, hein, sur la temporalité. Il explique très bien qu'est-ce qu'il fait. La, la, la Révolution française a introduit une temporalité, une accélération de la temporalité qui va disjoindre les, te les temps, le rapport entre présent, passé et futur. Ça, je pourrais vous lire euh, quelque chose là. La révolution française est d'abord l'expérience d'une accélération qui va disjoindre les passés, les présents et les futurs et qui va rendre problématique leur enchaînement. Elle tire une, fro une frontière sanglante entre le passé et l'avenir. En produisant une séparation violente du passé et du futur. Et fait surgir un concept inédit d'histoire. C'est là que le problème, l histoire, l histoire, l histoire, euh, le problème de l'histoire surgit. L'accélération produit une nouvelle expérience du temps. Le passé disparaît de plus en plus vite. Le présent étant trop rapide et provisoire, la fixation se fait sur le futur, de façon que l'histoire ne peut être qu'une histoire de l'avenir. Et ça, c'est. Ça va être, ce concept de l'histoire va être le concept de la bourgeoisie et du mouvement ouvrier jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, c'est quoi cette histoire du futur C'est le, le, le discours sur le progrès, fondamentalement. Une citation que je prends de, de ce livre de Korselik, de, 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 de quelqu'un qui vivait euh, tout de suite après la Révolution française. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le type. Donc, mais il dit... Il n'a jamais existé un temps qui, de, qui dépend du futur de manière aussi forte, aussi proche, aussi exclusive aussi générale que la nôtre. C'est-à-dire, à ce moment-là, cette rupture de la temporalité, donc cette disjonction présent, passé, passé, présent et futur, hein? le passé, c'est c'est l'illuminisme qui commence ça. Le passé, c'est quoi Le passé, c'est euh, l'ignorance, hein? c'est la croyance religieuse, c'est la superstition. Hein? C'est les ténèbres de l'humanité. Il faut aller vers le savoir et vers la raison. Et c'est le futur. Hein. L'humanité est rentrée dans un cheminement qui va la, porte, la porter progressivement et de façon presque euh, nécessaire hein, vers un monde meilleur. Le monde de la lumière, de la raison. Cette, cette histoire des Lumières, effectivement, apprend a une toute autre force avec la Révolution française. Et la bourgeoisie, eh, pendant tout le 19e siècle, va prendre ce cette, cette, euh, euh, cette discours sur le futur. Hein. Si vous prenez Saint-Simon, hein, qui voulait faire euh, l'état industriel, effectivement, comme l'état industriel qui permet à l'humanité de, hein, de progresser. On va vers... L'accomplissement, ils ont réussi même à imposer la bourgeoisie française, même au Brésil, ils ont réussi à poser cette idée. Le drapeau du Brésil, qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est marqué ordre et progrès. C'est Auguste Comte qui a apporté au Brésil cette idée de, 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 du progrès, du futur. L'humanité va toujours vers du meilleur. Mais ce qui accomplit complètement ce discours sur, la du futur, sur, le, sur le communisme comme futur, c'est le mouvement ouvrier. C'est Marx, hein, fondamentalement, qui pense que ce sont les forces productives, travail, science et technique, qui rendent matériellement possible hein, cette idée que l'illuminisme avait pensée de façon un peu trop idéaliste pour parler comme les camarades hier sur le de, de matérialisme historique. Hein. Donc c'est le travail, la science et la technique qui vont réaliser cette progression, cette future. Le présent, c'est seulement un moment de passage. Le passé, c'est la domination, c'est la superstition, c'est l'ignorance, c'est la domination dans laquelle on était pris. Donc le passé, on rompt avec le passé, la rupture avec le passé. Le présent, c'est le moment de passage pour aller vers le futur. Donc il faut accélérer le plus possible pour aller vers le futur. C'est-à-dire que c'est un moment de passage. D'ailleurs, est surgit de façon absolument, moi j'ai toujours désespéré quand je vois des choses comme ça, la théorie accélérationniste, hein, autour de laquelle se sont jetés plein d'artistes. Mais c'est une théorie des de, de siècles derniers, la théorie accélérationniste. Hein. C'est un truc complètement, complètement euh, passé. Hein. Et tout le monde dit, ah c'est magnifique, cette histoire de, de l'accélération. Mais l'accélération, elle est présente au 19e siècle. Hein. C'est ça la question. La métaphore. De ce discours, c'est les trains. Les trains qui étaient effectivement l'industrie la plus puissante, c'est la métaphore de ce discours. Les trains, euh, euh, ils courent sous des rails hein, qui sont d'ailleurs déjà dessinés. Hein, ils dessinent d'une certaine façon la nécessité. Hein. On, est, on est nécessairement vers l'avant. On va vers l'avant. Hein. Il y a lo, la locomotive il faut accélérer la locomotive. Je dis ça parce que, parce que Walter Benjamin, c'est le premier qui se rend compte quest ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Il dit une chose complètement différente. Hein? Il faut se monter sur le train, tirer le frein à main et arrêter le train. Il ne faut pas l'accélérer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a -ce fait la Première Guerre mondiale Ça, c'est une chose très importante. Hein? Si on ne se rend pas compte, hein, une des limites de la pensée critique, c'est qu'ils n'ont pas fait l'expérience qui par contre ont eu on fait complètement le capital c'est des deux guerres mondiales la signification de deux guerres mondiales les promesses qui étaient contenues dans le travail la science et la technique qui devaient libérer l'humanité pendant la première guerre mondiale se sont renversées et hein? sont renversées en force destructive, complètement le travail la science et la technique au lieu de produire la libération de l'humanité ont Produit la possibilité de la destruction de l'humanité. Progrès fini. C'est à ce moment-là que le progrès est fini, que le futur est mort. Le futur est mort sous les déluges de la Première Guerre mondiale. Les déluges de bombes de la Première Guerre mondiale, il n'a pas seulement tué des soldats, il a tué aussi le futur. Et ce n'est pas les punks qui ont invité No Future, ça c'est banal. Hein? L'interruption, c'est arrêté par à la Première Guerre mondiale. Et Benjamin, c'est celui qui a la conscience la plus aiguë de cette question. Hein? Walter Benjamin, en temps réel, parce qu'il écrit ça entre les deux guerres, il se rend compte complètement que cette histoire de la, du, du progrès, cette histoire de la, de, du futur, de la progression de l'humanité, qu'on qu va forcément vers les meilleurs, hein? elle est mise en discussion complètement par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il, il pense exactement comme Lenin, d'une certaine façon. Hein? Il dit il faut rompre les continuum historique. Parce que, du point de vue conceptuel, c'était l'histoire, hein, la philosophie de l'histoire qui portait ce discours sur le futur et sur le progrès. Hein? L'histoire, on est, la, on est, on, on est euh, du bon côté parce que l'histoire, eh, nous, l'histoire est avec nous. Et l'histoire va, va dans cette direction, exactement comme le train. Hein? Benjamin dit non, il faut rompre, il faut trouver la façon. La, la temporalité qu'il qui faut, uh, qu faut interroger, c'est le présent, pas le futur. Et le présent, pas comme, euh, le présent comme, pas comme une temporalité qui est prise entre l'avant et l'après, mais c'est une temporalité de rupture. C'est une temporalité, c'est l'occasion révolutionnaire. C'est la possibilité de rompre euh, la... la la continuité historique hein, et créer de nouveaux possibles qui font une rupture. C'est ce qu'avait fait Lenin pendant la révolution euh, soviétique. Donc, parce que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc à la fin de, cette, de ces deux choses, de ces deux guerres qui sont des, des guerres fondamentales du point de vue de, de, de l'histoire du capitalisme, parce qu'ils vont complètement réconfigurer la production du capital, la façon de penser le capital des deux guerres mondiales. Qu'est-ce qu'on a à la fin de ces deux ce, de guerres mondiales hein On a la science, hein, qui au lieu de libérer l'humanité, a produit la bombe atomique, c'est-à-dire la possibilité de destruction de l'humanité. C'est ça. Hein la bombe atomique, hein, c'est la possibilité de détruire l'humanité. Hein la technique et la science ont produit toutes les technologies de la guerre. Hein? C'est la, la technique qui a produit cette hyper-industrialisation de la guerre. Hein? Et le travail, effectivement, le travail a été une chose euh, fondamentale. Hein? Si vous lisez les, les, les généraux de la, euh, de la Première Guerre mondiale, dit, plus encore important du soldat, c'est l'ouvrier. Hein? Parce que l'ouvrier produit. Les matériaux, produit les bombes, hein? produit les chars, euh, produit les, les avions. Hein? Et d'ailleurs, vous savez, dans euh, l'entrée du camp d'Auschwitz, c'est marqué Arbeit frei hein? ». Le travail rend libre. Hein? Là, l'histoire. Est-ce que le travail. Parce que. Qu'est-ce qu'on fait les marxistes Les marxistes ont mis entre parenthèses les deux guerres mondiales. Alors que pendant les deux guerres mondiales, c'est reconfiguré. Par exemple, vous prenez l'opéralisme italien. L'opéralisme italien nous raconte hein, que la socialisation de la production s'est faite dans les années 60. Mais pas du tout. La production de la socialisation s'est faite pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, où la société dans son ensemble était impliquée dans l'organisation de la production pour la guerre. C'était toute la société qui travaillait pour détruire. Pour marx c'était des choses inconcevable que le travail puisse être travail pour la destruction hein? et c'est ça qui, qui s'est produit en réalité pendant les deux guerres mondiales. L'autre chose fondamentale hein, c'est que pour la première que de façon euh, qui va se reproduire pendant les deux guerres mondiales la différence entre civile et militaire va sauter hein? et ça va se reproduire jusqu'à maintenant. Donc, donc la temporalité, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Mais ces discours, on va trouver complètement en 68. Hein, 68 va être, les mouvements politiques vont se rendre compte hein, qu'il faut abandonner le concept du futur. Et il faut prendre le présent comme terrain terrain de la bataille politique. Hein? Alors, je prends euh, un texte d'une féministe italienne, qui est un texte magnifique, qui s'appelle euh, Carla Lonzi, qui est un texte qui s'appelle Crachons sous règles. Il est traduit en espagnol, je pense. Escupamos sous règle. C'est un texte de 40 pages, mais très important. Hmm? Donc, c'est une féministe radicale et italienne qui a écrit euh, donc, ces textes où, elle, je les prends parce que, elle, elle, de façon la plus synthétique, elle exprime ce renversement du point de vue. Hein? Ce renversement que les marxistes ne font pas. Par exemple, l'opéraïsme italien n'arrive pas à faire. Hein? Que par contre, elle le fait. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit deux choses. Elle dit la façon la plus simple, elle dit « présent et non futur ». Elle dit vraiment comme ça, c'est un concept comme ça. « Présent et non futur ». Le mouvement féministe n'a pas besoin du futur. Elle a besoin du présent. Hmm? Deuxième chose, elle dit, je peux retrouver la phrase, voilà, « presente et non futuro » en italien. Hein mais l'autre phrase qu'elle dit, le problème féminin a, a en soi moyen et fin et, muta, et des mutations substantielles de l'humanité. Il n'a pas besoin de futur. Le mouvement féminin n'a pas besoin de futur. Le but n'existe pas. Existe le présent. Hmm? N'existe pas le but, n'existe pas le futur. On ne veut pas le sol de l'avenir, la révolution, la faire demain. Hein? Elle ne dit pas, non, ces buts-là n'existent pas. Il existe seulement le présent. Nous sommes les passés obscurs du monde. Nous réalisons le présent. C'est un changement radical dans la façon de concevoir la politique, hein? parce que la, la, la révolution, on ne va pas se sacrifier pour la révolution. La révolution doit commencer maintenant. Il hmm? n'y a pas une transposition possible de la révolution. On travaille pour la révolution. La révolution doit être euh, accomplie euh, dans la façon avec laquelle on fait. On s'organise, dans laquelle les relations sociales s'établissent entre les individus qui font de la politique, etc. etc. Le deuxième concept qu'elle dit est encore plus important. Elle dit, et ça c'est une autre rupture avec euh, le marxisme hein, et avec la révolution soviétique. C'est pour ça que j'ai dit que 68 c'est une rupture avec, avec euh, la, le socialisme. Elle dit, le sujet il n'est pas donné, c'est un sujet imprévu. Hein. Le sujet politique c'est un sujet imprévu. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de futur. Hein? Eh, Je vais d'expliquer pourquoi. Quand l'on se dit le sujet est imprévu, elle va évidemment contre la conception marxiste de la subjectivité. Contre la conception marxiste qui était encore celle de l'opéraïsme italien, par exemple. Hein? Ou du post-opéraïsme, c'est pareil. Hein? Parce que qu qu'est-ce qu que dit le marxisme La classe ouvrière, c'est une force révolutionnaire qui existe déjà. Elle est déjà en acte, hein elle est à l'intérieur du, euh, du capital, elle est exploitée, mais en même temps, hein, c'est un sujet révolutionnaire. Si on arrive à organiser cette rupture, voilà, on passe, comme on dit de façon hegelienne, hein, la classe d'un soi à, à pour soi. C'est ça le passage à faire. On s'est dit le sujet, c'est un sujet imprévu, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui est déjà donné. C'est un sujet qui se fait à l'intérieur de la rupture révolutionnaire. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas pu avoir de futur, parce qu'il y a une rupture de la temporalité. Le fait que les, 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 les temps, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Hein? Le fait que le sujet, c'est un sujet qui est, pas, qui est imprévu, hein, implique une rupture de la temporalité. On ne peut pas prévoir les sujets, c'est imprévu par définition. Hein? C'est une, une façon de penser la politique de façon complètement immanente. C'est une rupture de la philosophie de l'histoire. C'est une rupture de cette, cette idée hegelienne du passage de l'un-soi à pour-soi. Ben, Foucault dit exactement la même chose. Hein. Je trouve une phrase de Foucault. Si je la trouve, je vous la lis. Elle hein. dit exactement la même chose. Cette chose, ben, j'ai pris euh, Carlo parce que, bon. Il est de façon plus synthétique, mais toute la, toute la théorie politique va se concentrer sur la suite de ce qu'a pensé Benjamin, hein, sur comment penser le présent. L'actualité du présent de Foucault, la théorie de l'événement de Deleuze et Guattari, la théorie de l'événement de Badiou, tout ça. Hein, C'est tous concentré sur le présent. Le présent, mais un présent qui, qui n'est pas un présent chronologique. Hein, C'est un présent qui a, qui a cette, tempor cette temporalité qui contient en réalité en soi le présent, le futur, etc. etc. Donc je ne vais pas faire une, une, une réédition de la théorie de l'événement, mais ça, euh, euh, c'est euh, euh, très important. Hum? Foucault dira, effectivement, les luttes qui se produisent dans les années 60-70 sont des luttes immédiates qui ont comme finalité, pas les futurs, mais les présents. Hum? C'est maintenant qu'il faut... La révolution, c'était une promesse. La révolution va venir. Le soleil de l'avenir. Hein, C'est le soleil de demain. Non. Cette, on ne croit plus à cette promesse hein, parce que les, les illusions de la libération par le travail, la technique et la science sont tombées avec la Première Guerre mondiale. On ne peut pas faire confiance aux forces productives qui, en soi, vont nous conduire vers la. Euh, non! Hein? Il y a une production de, sub... une, une production de subjectivité qui devait être, être consciemment organisée. Alors, euh... et 68, effectivement, euh, pose des, des, des choses complètement nouvelles. Hein? C'est une rupture radicale avec... Et c'est ça le problème. Hein? Parce que la révolution 68, c'était en même temps une, une critique. Euh, anticapitaliste, mais aussi une critique antisocialiste, émergent des de, de nouvelles de mouvements politiques hein, que le marxisme ne comprenait pas. Les mouvements euh, décolonisés et les mouvements des femmes, je prends le plus important, qui disent des choses que le marxisme ne peut pas comprendre, ne peut pas comprendre parce qu'ils parce que disent effectivement, nous, on n'est pas seulement exploités du point de vue économique. Hein, même si on reproduit la force de travail, la marchandise la plus importante de la force de travail à travers la reproduction, comme dit Silvia Federici. Elle ne dit pas seulement ça. Nous, on est aussi dominés. Et cette domination, la domination de la femme, elle n'est pas directement réductible à, euh, au problème des rapports de production. Et les, les colonisés diront la même chose. Hein. L'esclavage, effectivement, il a une fonction politique, il a une fonction économique. Mais la domination n'est pas réductible Hein? La domination raciale, elle est là, 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 mais pas immédiatement irréductible à, au, au mode de production comme l'entendait Marx. Hein? Vous voyez, il y a une rupture énorme qui s'est produite. Parce que pour la première fois, en hein, 1968, on peut, peut tenir ensemble toutes les relations sociales, pas seulement les rapports de production, hein? pas seulement le travail, hein? mais l'ensemble des dominations, on les tient ensemble pour la première fois. L'opéraïsme, avec cette théorie, par exemple, même le post-opéraïsme, avec cette théorie du travail cognitif, ne peut pas comprendre cette complexité hmm. qui venait justement des luttes, ça venait des luttes réelles de libération. C'était depuis, le, depuis le, la Première Guerre mondiale qu'il y avait les mouvements des femmes et les mouvements des, des, des colonisés qui étaient en train, comme disait Lénine, ah, disait Lénine pour la première fois, hein, les, 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 les peuples colonisés hein, deviennent un sujet politique. Dans, 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 et là, on, on revient plus en arrière. Hein? Et les femmes en même temps. Le problème, c'est euh, mon opinion, hein? c'est que cette formidable nouveauté n'a pas réussi à penser un nouveau concept de révolution et un nouveau concept de guerre. Hein? Je pense que cette incroyable capacité de mobilisation, être incroyable façon de penser différemment les rapports de pouvoir. parce que là, effectivement, on a, par exemple, foucault qui pense les rapports de pouvoir de façon complètement différente à partir de cette lutte réelle qui a eu lieu pendant tout le xxe siècle. on a pas aussi à penser, à mettre en pratique un nouveau concept de révolution. évidemment, il fallait penser de façon complètement différente de la révolution qui avait été pensée par euh, Lénine et, et les bolcheviques, ah, c'était toute une autre histoire. Hein? Mais on n'a pas, pas réussi à les penser, ni à les penser ni à la pratiquer, parce que les deux concepts sont fondamentaux à mon avis. Eh, révolution et guerre ont, plus, ont été abandonnés comme discussion politique, comme thématique politique, comme discussion théorique. Hein? On, bah, on commence à séparer les choses. Hein? On commence à séparer les choses. Prenons, prenons Fanon. Hein? Les, les études postcoloniales, toujours Fanon au centre. Mais il sépare Fanon du fait que Fanon travaillait pour la Révolution. Il faisait la lutte armée Fanon. Hein? Il ne fallait, il fallait, il créait pas des livres pour faire des, des, des colloques. Il était dans un mouvement révolutionnaire, dans le sens que Fanon était pris dans un mouvement... On ne peut pas séparer les deux choses. Si vous séparez Fanon de la Révolution, de la Révolution algérienne, hein, vous avez... Un écrivain ou un, ou un psychiatre, mais c'était pas ça, son, son problème. Pour lui, c'était vraiment, il croyait de, de faire la révolution, il voulait faire la révolution. L'Onsi, par exemple, que moi je trouve c'est un texte formidable, mais pour vous dire les difficultés de, qui commencent à, 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 à naître en ce moment-là, L'Onsi a cette intuition géniale en disant, le présent, c'est le temps, pas le futur, les sujets, c'est un sujet imprévu, hein? mais en même temps, il dit, bah, le problème, ce n'est pas, pas faire de la politique, c'est faire un changement de la subjectivité. Et il va faire de l'autoconscience. Il ne faut pas aller faire des manifestations. Il ne faut pas. Donc il y a une rupture entre la production de subjectivité et le discours révolutionnaire. Si vous séparez, comme vous faites avec Fanon, la production de subjectivité avec la révolution, vous avez un discours de l'émancipation, pas un discours de la révolution. Et l'émancipation être très bien. Compatible avec le capitalisme. L'émancipation en tant que telle, hein, elle n'est pas révolutionnaire. Et ensuite, de suite. Je, je pourrais. Mais là, il y a un autre problème hein, qui, se, qui se présente. S'il est vrai qu'on a subi une défaite politique, on a subi aussi une défaite théorique, hein, parce que les deux choses vont ensemble. Hein. On a subi une défaite. Je pense que sur le fait que. Moi, je, le point de départ, c'est le fait qu'on a subi une défaite, et qu'on a perdu, et qu'on a été vaincu. Hein. Il faut partir de ce point de vue-là. Il faut assumer le fait qu'on a perdu, et qu'on a été vaincu. Hein. Lénine, qu'est-ce qu'il a fait après la Commune de Paris hein, Pour repenser les partis. Pour répenser la révolution, il a essayé de, de comprendre qu'est-ce qui s'était passé pendant la Commune de Paris. La Commune de Paris avait été massacré par les par la, par, le, par les armées, ok, hmm? 30 000 morts à Paris. Lenin repart de là. Elle dit effectivement, il faut réfléchir pourquoi cette expérience magnifique d'autogouvernement hein, est finie comme ça. Hmm? Nous, on ne fait pas ces trucs-là. On a l'impression qu'effectivement, Deleuze, Foucault, Guattari, euh, tout ce que vous voulez, sont des théoriciens des, des, des qui disent effectivement la vérité. Ils, sont, ils ont des, fait des pas en avant énormes, mais aussi, ils, ils, sont, ils, ils sont tombés dans des impasses. La théorie, elle n'est pas séparée. Si on a subi cette défaite, cette défaite euh, politique, on a subi aussi une défaite euh, théorique. Il faudrait réfléchir sur cette histoire. La défaite se mesure à quoi Se mesure à la question de la, de la propriété. Une que fois que le capital a gagné les le guerres du XXe siècle, il a lancé le néolibéralisme. Le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est C'est l'accumulation de la propriété de façon absolument polarisante. Hein L'enjeu des guerres, c'est la propriété pour le euh, capital. Hein Mais pas dans le sens, comme disait Maria aujourd'hui. Hein il faut. Rapporter, reconduire de la propriété aux, aux, aux relations de pouvoir qu'il y a. Parce que le, tout se joue autour de la propriété. Hein? On, a, on a cette polarisation énorme de la propriété aujourd'hui. Patrimonial, patrimonial. La différence des patrimoines entre les plus pauvres et les plus riches, c'est 900 hein, en France. 900 fois, ils ont plus de patrimoine, les, les, les riches que les, euh, que les pauvres. Hein? Mais ça, c'était possible parce qu'ils ont gagné. fondamentalement, moi je pense qu'on est sorti très affaibli de, de, de la défaite de 68. Hein? On est très très faible. On n'arrive pas, on arrive pas à, à opposer quoi que ce soit aux politiques capitalistes. Hein? C'est un rouleau compresseur qui avance tout le temps. Hein? De façon absolument... Il semble qu'on ne peut pas l'arrêter. Il faudra se poser la question, pourquoi on passe de défaite en défaite. Hein? Il, y a il y a une différence politique fondamentale entre euh, les ouvriers du 19e et du 20e siècle, hein, qui étaient des ouvriers, qui étaient des, des prolétaires euh, presque analphabètes, hein, mais qui avaient une idée de révolution. Hein? Ils avaient une idée de vouloir détruire le capitalisme. Et ça, ça donné une puissance énorme. Hein? Parce que pendant tout le 19e, hein, ils, ont été, ils ont perdu politiquement. Étaient, chaque fois qu'ils ont essayé de faire la révolution, 48, Commune de Paris, et tous les exemples. Mais ils ont été, et, ils ont été massacrés politiquement, mais socialement, ça a avancé. Hein? Les salaires, les retraites, les conditions de travail, etc., etc. Nous, on trouve dans une situation où on perd aussi bien politiquement que socialement. On a les deux à la fois. Hein? C'est une faiblesse énorme du mouvement politique contemporain. Pas parce que justement. La, la possibilità di fare... Le, le, se se euh, voi vedete euh, euh, la storia di tutto il XIX secolo, quindi è sempre questi prolotti quasi analfabeti, non sono cognitivi, non sono tutti i sapori che hanno gli ufficiali oggi, erano dei besti, Mio padre era ufficiale, aveva fatto 5 anni mais scuola, ma non si faceva mettere le piedi sulla testa come gli universitari di oggi che fanno il lavoro dei liberali. È una nuova storia. Ce qui est important, c'était que la révolution permettait deux choses fondamentales. Hein. D'abord, la démocratie. Hein. La, démocratie ben, la démocratie bourgeoise, hein, c'est la démocratie des propriétaires. Quand un libéral dit liberté, vous devez toujours traduire propriété. Hein. Ça, c'est automatique. Hein. Si vous faites cette opération, vous êtes sûr que vous êtes dans les la position correcte. Hein. Eux, ils avaient imaginé la démocratie comme une démocratie des propriétaires, hein? depuis Locke jusqu'au jusqu jusqu 19e siècle, hein? c'était ça, hein? et, et la démocratie était liée, était liée au revenu, au 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 c'était une, une, une démocratie censitaire, hein? qui a poussé à devenir effectivement une démocratie pour tous, c'est les le mouvements révolutionnaires du 19e, hein? Les ouvriers parisiens en 48 qui ont demandé le suffrage universel, seulement pour les hommes, hein, hein, et après, le mouvement des femmes qui l'ont élargi. Hein Ça c'est très important parce que effectivement une fois qu'il manque, parce que la révolution hein, et la possibilité même de la révolution, c'est une menace réelle pour le capital. C'est la seule peur qu'il a, hein, c'est de perdre effectivement la propriété, la propriété privée. Hein. Le seul moment où il a vraiment eu peur, c'est pendant après la révolution russe, hein, parce que c'est combiné avec une catastrophe que le capitalisme lui-même avait créée avec la crise financière. Hein. C'est le seul moment où il y avait la possibilité de la disparition du capitalisme. S'il n'y a pas cette menace, et l'autre chose, le réformisme est possible seulement s'il y a la révolution, la possibilité de la révolution. Autrement, ça n'existe pas. Hein. Moi, j'ai donné une mauvaise nouvelle. J'étais à Valencia il y a deux jours avec un dirigeant de Podemos. Je lui ai dit, écoute, vous êtes très bien, mais je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas faire autrement, c'est très compliqué, mais il faut être conscient que sans révolution, vous allez durer, durer comme les verts allemands. Hein? Vous allez disparaître. Hein? Parce que même le réformisme est possible seulement s'il y a cette menace. Les capitalistes, hein, ils ne pensent pas idéologiquement. Non sono dei idiologi, come dice Marx, ma hanno la tête di bois. E per far entrare quel che sono nella tête di bois, c'è la crisi, dice Marx. Hein? A mon avviso, c'è la menace della possibilità di perdere la, la proprietà privata. Tout, tout tourne autour de la proprietà privata. E qu'est-ce qu'on voit? De façon. Très étonnante, hein? sans possibilité de révolution, il y a la démocratie est en train de devenir une démocratie autoritaire, elle est en train de disparaître, et le réformisme n'est plus possible. Hein? On est bien d'accord? Mais là, et je voudrais... C'est ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Hein. Bon, je suis arrivé un peu tard. J'avais parlé les dernières dix minutes, là. J'avais parlé de cette histoire. <laughs> parce que... Parce que là, on est rentré dans une nouvelle phase, hein, qui est encore plus dramatique. Là, on est rentré dans une phase depuis quelques années liée à la crise de, de, de 2008. Hein. C'est une phase de, de subjectivisation réelle. Néo-réactionnaire, hein? néo-fasciste, néo-raciste. Hein? Là, c'est une autre tournure qui prend le plan du capitalisme. Hein? Et là aussi, on est complètement démuni par rapport à ça. La crise financière de 2008 avait produit une subjectivité particulière, celle de l'homme endetté. Ça, je l'ai écrit, je t es, t es, on père être d'accord pas d'accord, c'est pas grave. Hein? Mais disons comme ça, elle nous a transformé tout le monde en, en, en personnes endettées, hommes endettés, femmes endettées. Femme endettée, hein? Mais la transformation subjective, elle n'est pas là. Hein? Cette crise a produit de la frustration, de peur, des angoisses qui ont rendu disponible la subjectivité aux expériences réactionnaires qu'on est en train de vivre. Et là, la question de la guerre qu'on a, qu a abandonnée réémerge avec toute la surpuissance. Ce sont de nouvelles formes de guerre civile. Hein? Ont, et vous savez pourquoi elles n'ont pas, pas la même, pour beaucoup de raisons, elles ont pas la même forme que celle qu'on a connue. Hein? Mais surtout parce qu'on est très faible. Hein? On ne fait peur à personne. Hein? On demande seulement d'avoir notre production de subjectivité à côté. On travaille dans les musées, on travaille. On fait, on fait peur à personne, fondamentalement. Hein. Vous faites ce que vous voulez, on vous laisse faire, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on engage des de, de revenus, la propriété, elle, elle explose, hein, il n'y a pas de problème. Faites, faites ce que vous voulez. Vous vous amusez, amusez-vous. Ouais, très bien. Et là, on attend, en ayant abandonné la question de la guerre, eh, on se trouve face à, cette, à, à des types comme, comme Trump. Hein? Trump, qu'est-ce qu'il fait? Fait, fait Il lance une, une, une guerre civile. Il dit, nous, les Blancs. Hein? Les Blancs, on est en train d'être bouffés par les Noirs, par les par les hein? Ce n'est pas possible. Hein? Là, demain, en Italie, il eh, y a une, co une coalition de droite qui va gagner. Eh? Et va gagner sur quoi Il a gagner sur quoi En déclarant guerre à, euh, à l'immigré, aux réfugiés, aux réfugiés, en disant, sont eux les ennemis. Hein? C'est-à-dire, l'hégémonie politique, aujourd'hui, eh, on, on l'acquiert en déclarant la guerre civile. Hein? Guerre civile qui n'a pas encore les, 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 les traits qu'on connaît. Mais justement, parce qu'on est, on est trop faible, on ne fait pas peur. Hein? S'il y avait... Une, une alternative réelle comme le communisme euh, entre les deux guerres mondiales hein, il y aurait déjà l'escadron les, 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 les fasciste qui, qui circulent à mon avis hein. d'ailleurs cette nuit en italie hein, dans une région euh, dans une ville qui s'appelle Pavia ils sont les fascistes sont allés afficher dans euh, les, les portes hein, d'une centaine de militants antifascistes un, une pancarte en disant ici habite un antifasciste ils sont en train de faire ça. Ils faisaient ça euh, il y a longtemps. Bah, ici habite un, ju un juif. Hein, maintenant ils le font avec. Ils ont pas les problèmes effectivement avec les juifs. Donc ils sont bon des trucs. Mais et on, est, et, et on a du mal à analyser cette euh, montée. Hein? Et je pense à cause d effectivement on, a, on est en train de passer un seuil d'intensité de la crise qui est nouveau. Il faut que je m'arrête. J'ai parlé combien de temps 20, 40, 35 minutes. Encore 5 minutes 5 minutes Ah, j'avais oublié de dire, effectivement, qu'est-ce que c'est le présent Donc, si effectivement les le, le temps révolutionnaires, c'est le présent. Le présent, aujourd'hui, c'est le présent des guerres civiles, hein, qui qu ont cette, cette, cette forme très particulière hein, des guerres civiles, mais c'est celui-là, le présent, qu'il faudrait euh, analyser. Alors, je vous fais un exemple pour terminer, c'est un exemple voilà, d'un de, 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 de auteur que moi j'aime beaucoup, hein, qui utilise, utilise de toutes les manières, donc c'est Michel Foucault. Mais pour vous dire la difficulté, hein, quand je dis qu'effectivement la défaite euh, politique, hein, euh, c'est aussi une défaite théorique, je prends comme exemple Foucault. Hein. Foucault, c'est quelqu'un qui explique très bien hein, euh, ce euh, phénomène des euh, de fascisme contemporains. Hein. Pour lui, il dit. Et je ne le trouve plus il est jamais eu. Bon je vous le résume je n'ai pas trouvé la citation euh, mais il dit donc il a une théorie du pouvoir très importante il dit effectivement il faut sortir de cette façon de penser et comment penser les marxisme et le libéralisme qui a pensé le pouvoir ou à travers l'économie ou à travers les juridiques il faut sortir donc il faut penser une nouvelle économie du pouvoir. C'est un point de vue très très fort hein, qu'il met en place. Cette économie politique du pouvoir qui est ni économique ni juridique permet de comprendre qu'il peut y avoir des, des formes de pouvoir comme le racisme ou la domination de la femme hein, qui ne sont pas liées directement à l'organisation capitaliste du travail, hein? même si elles font partie de notre point de vue de l'organisation du travail. Et donc il développe toute une théorie qui est fondamentale. Par exemple, il dit que les, les, les fascismes, hein, les nazisme, ne hein, sont pas des phénomènes historiques, sont des virtualités qui sont toujours présentes à l'intérieur des sociétés capitalistes contemporaines et peuvent à tout moment ressurgir. Hein? Donc ce n'est pas une, quelque chose qui est arrivé, comme dit Primo Levi, hein, le, le nazisme est arrivé une fois, il peut encore arriver. Non, ce sont des virtualités qui sont toujours présentes, hein, qui sont toujours là. Et elles elle peuvent s'actualise par rapport à la... Comme aujourd'hui, s'actualise par rapport à, à une question euh, stratégique. Cette puissance d'analyse, après tout ce qu'il a développé sur le biopolitique, etc., etc., va ensemble avec une faiblesse fondamentale. En 68, il dit effectivement, euh, la question de la production des richesses n'est plus centrale. Vous voyez, il a... Une avancée incroyable hein, sur la question des rapports de pouvoir. En même temps, il dit c'est évident que la question de que, que, qu avait, euh, qui avait euh, caractérisé le 19e siècle, la polarisation de la production de la richesse, est la plus centrale. C'est le moment où exactement, le libéralisme fait exactement le contraire de ce que Foucault dit. Hein. Je vous donne seulement un exemple pour pouvoir voir l'impasse dans laquelle on est. On a des auteurs qui. Nous font avancer énormément sur certains terrain. En même temps, ils, 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 ils reconnaissent pas ce qui est en train de se passer. Le néolibéralisme qui est en train justement de réimposer cette question de la production de la richesse, hein, comme production de la propriété, cette production de la propriété, hein, production de la propriété privée comme centrale, il est en train de la reposer. Foucault dit non, c'est pas, c'est pas, c'est pas la question. Hein. La question, elle dit, elle lit aussi toujours en 1978, donc elle dit donc à la fin, de, presque à la fin de sa vie, elle dit les problèmes ce sont les effets des pouvoirs, pas l'exploitation économique. Hein? Il oppose cette histoire. Et on pourrait, pour chaque auteur, on pourrait aller euh, dans ce sens. Nous, il faudrait qu'on qu'on qu à cette question du la propriété, guerre et révolution. Hein? Si on réponse à ça, si on répense c'est l'apport entre propriété, donc à travers le néolibéralisme, si vous voulez, hein? guerre et révolution. Hein? Si on ne les pas, on n'arrive pas à les poser comme un problème politique, hein? on n'arrive pas à l'imposer, on n'aura pas possibilité de résister. J'ai entendu aujourd'hui quelqu'un, eh, la, la compagne euh, grecque, hein? elle veut résister à l'intérieur de l'université. Impossible! Ah, Il faut. C c c pas, vous, vous, si, vous avez, si vous avez mis les pieds à l'université, c'est une chose impossible. Hein? Moi, j'étais au Canada. Ils m'ont invité au Canada. Ah, ca... Je ne vous raconte pas l'université anglophone, ce qui va arriver ici. Hein? Ils m'ont invité au, au, au Canada. On devait, faire un fi, on devait présenter un film avec la copine avec qui je travaille, l'artiste avec, avec qui je travaille, qui a fait un film sur... Une, et après, j'ai terminé sur cette histoire. Hein? Et a fait un film sur une euh, mine une, une société minière canadienne hein, qui, en Grèce, est hein, en train de, de faire une énorme mine à ciel ouvert hein, dans le nord de la Grèce. Alors, pour vous dire comment, va, comment on arrive, et, et on devait faire ça à Vancouver. Moi, j'étais invité à, à Toronto, on dit bon, on va à Vancouver, on fait ça à Vancouver. Alors, une semaine avant, ils nous disent où on va faire la projection de ces films. La projection de ces films, on va le faire dans un centre d'art qui, en réalité, il a les noms de la, de la, de la compagnie minière qui fait de Vancouver. Hein? On dit Non, ce n'est pas possible, non, on ne va pas faire ça, absolument pas. Donc, on va faire à l'université. L'université est financée là, à 90% par la même société minière. Hein? Donc, c'est réuni les, 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 les départements. Et en disant non, c'est une, une attaque à la liberté académique d'expression, c'est pas possible, tout ça. On va faire un communiqué. Paris aussi a fait un communiqué parce que la moitié de, de, du corps enseignant s'est imposée parce que les financements viennent de l'université. Euh, Donc finalement, ils, sont, ils ont fait un truc, ils se sont mis d'accord, on a fait dans une, euh, dans une salle un peu obscure, sans publicité, eh on a fait la production du film avec la direct, directrice de la communication de la, de la société minière dedans. Hein, qu'elle qu a vu le film, elle a tout de suite téléphoné à, au, 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 au recteur de l'université en disant, ce n'était pas un point de vue objectif. C'est ça l'université. Vous ne pouvez pas la fermer d'aucune manière. La salle dans laquelle on a fait la projection, elle s'appelait Renault. Elle ne s'appelait pas Max Weber. Elle s'appelait Renault. Et à côté, il y avait une autre salle qui s'appelait BMW. Hein? C'è stata la réalità dell'università de 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 euh, américaine. Ma j'aime bien che la camerata euh, greca essaie di résister. Non ne può résister se non trouve pas une forme generale, se non ne riposte pas l'ensemble della de de situazione. Oh, C'è un discours un, un peu. Mm, pas très positif mais en donnant un trend de, de rentrée dans cette fase phase hein qui est trois euh néofascistes hein et il faut, il se poser ser de de questions. Donc pour euh, terminer, je sais pas comment terminer après vous dis ça parce que je pas fait ce que j'avais euh, prévu de faire mais Alors, à mon avis, moi personnellement, je vous dis ce que j'ai fait personnellement. Je ne suis plus un militant politique depuis longtemps. Euh, j'ai été militant politique euh, en Italie dans les années 70. Je ne suis plus militant politique. Pour ce qui me concerne, hein, il faut... Et c'est très limité comme discours, mais je ne peux pas faire autrement parce que je ne suis pas pris dans une organisation politique. Et je pense qu'il faut reconsidérer ces catégories politiques. Hein. Genre, j'ai dit révolution, guerre et propriété, et capitalisme fondamentalement. Hmm? Parce que la, 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 guerre la guerre a complètement. D'ailleurs, la guerre a complètement changé. D'ailleurs, on, on les appelle euh, guerre au pluriel, hein, parce que la chose fondamentale, c'est qu'effectivement, euh, la guerre, c'est la guerre, euh, le concept de guerre tout seul c'est le point de vue de l'État sur la guerre mais la, les vraies guerres qui se sont développées depuis le, depuis la conquête des Amériques donc depuis la naissance du capitalisme sont trois guerres la guerre de classe la guerre de sexe et la guerre de race peut-être à partir de là à partir de ces trois types de guerres que le capital mène depuis le début et que là, réémerge dans une situation comme aujourd'hui hein? qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire le fascisme est en train de, de réqualifier le racisme de réqualifier les les sexismes de réqualifier la lutte de classe hein. il faut dire que les seuls les seuls mouvements qui a la capacité de s'opposer de façon de, de façon à ce type de, de ce sont les mouvements des femmes ça il faut le reconnaître, hein. sont les seuls mais on n'arrive pas encore à trouver la façon d'empêcher. empêcher hein. Vous voyez c'est pas c'est pas c'est pas cognitif de, de mes camarades italiens qui, hein, qui sont descendus dans la rue euh, les jours de l'élection des de, de Trump hein, ou euh, l'anniversaire la euh, de la première année. Hein, ce sont euh, les femmes. Mais là aussi, je pense qu'on est encore très loin, hein, de, parce que chacun, chaque mouvement va de son, de son côté. Il faudra essayer avec calme, mais c'est déjà passé 50 ans depuis 1968, hein, de repenser ces projets révolutionnaires. Si on ne les pense pas, je pense qu'on on est dans une impasse. On va continuer à perdre. Voilà, fondamentalement. Excusez-moi. J'ai sido un poco confuso, pero no he leído, he improvisado. Gracias. Bueno, eh, pues nada, gracias a Mauricio por la charla. Eh, tomamos eh, eh, un turno de preguntas. D'abord, euh, bonjour et merci pour, euh, pour votre, euh, pour votre euh, exposition très intéressante. Et je voulais dire d'abord que si, si bien j'étais très euh, d'accord avec vous hier, quand, par exemple, euh, devant notre camarade César euh, Rendueles, qui euh, par contre je pense qu'il faisait une exposition très intéressante du matérialisme historique, vous lui avez fait, je pense, euh, vous avez touché un peu un élément clé. Qui est le fait, euh, reprenant, euh, disons, le, le texte classique de Gramsci sur la révolution russe comme, comme euh, guerre contre le capital, ouais. de toucher un peu cette idée de progrès, de cette idée téléologique, euh, un peu chez le marxisme le plus hegelien, disons. Euh, comme quelque chose à critiquer, non devant aussi ce marxisme plus orthodoxe qui disait euh, bah, bah, si la classe ouvrière ne fait pas la révolution, euh, bah, on va attendre à la classe ouvrière, on s'en fout des femmes, on s'en fout des personnes racisées, etc. etc. Si bien j'étais d'accord euh, euh, avec ça, et c'est... Ce que je voulais vous, vous, vous demander, ma, ma question qui est un peu, si vous voulez, provocatrice, prenez-la à prenez bien si, 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 si possible. C'est, si bien on peut faire cette critique euh, du progrès, cette critique euh, plutôt téléologique de, disons, éliminer Hegel euh, en certaines manières, je simplifie euh, de Mars, un peu comme faisait Althusser et tout ça, c'est les critiques qu'on peut faire du socialisme, de l'abondance euh, de, de Marcus, cette idée selon laquelle il faudrait que euh, éliminer du capitalisme les capitalistes qui sont en train d'avoir de, euh, de, la propriété, etc et c'est jusqu'à quel point on peut articuler euh, cette critique du progrès avec l'hégémonie de la postmodernité capitaliste si euh, la question c'est si est-ce qu'on peut les articuler ou est-ce que vous êtes trop près en certaines manières, de cette postmodernité modernité capitaliste. Je veux dire, vous avez repris beaucoup, par exemple Walter Benjamin, que pour lui, par exemple, la consommation de masse était était quelque chose qui rompait avec 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 l'expérience, qui fragmentait cette expérience et qui donc pouvait être, disons, un élément que le socialisme pouvait pouvait reprendre, non Donc Aujourd'hui, euh, disons, devant euh, ce discours hégémonique euh, qui cherche justement à aller contre la narration continue, justement contre la linéalité euh, de l'histoire, des narrations, etc., comment articuler euh, ces deux positions non justement, sans reprendre, si vous voulez, justement trop euh, la l'impasse dans se retrouver déjà Deleuze, de, euh, disons, de, on fait la critique du pouvoir euh, chez Mars et, et Foucault, et bien entendu, euh, c'est bien, et il faut alors créer des, 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 des luttes qui sont différentes à l'attaque frontale, pour reprendre la terminologie de, de Grand alors il faut créer l'imprévu. Et l'imperceptible. Moi, je pense que ça reste trop dans l'abstrait et ça, ça, ça reprend un impasse, euh, je pense, qui fait aussi partie du passé. Non? Marcelo, creo que quería intervenir. Aquí. Sí, pero es una pregunta vraiment muy sencilla. Puedes explicar con más detalle lo que has, lo que has dicho sobre la relation entre emancipación et capitalisme? El porqué de su compatibilidad, etcétera. Eh, bueno, yo quiero plantear eh, tres cuestiones. Una eh, es que has dicho eh, así tajantemente: en el capitalismo no hay comunidad, algo que eh, bueno, me ha parecido muy simplificador, francamente. Entre otras cosas, porque eh, si lo que quieres decir es que el capitalismo genera subjetividad, cosa que bueno, ya dice Negri, que ya se ha dicho, eh, se puede decir con Dumont, por ejemplo, que es una subjetividad tan autosuficiente como impotente y que de esa impotencia surge también una capacidad revolucionaria. Si lo que quieres decir es que es una subjetividad única, eh, unidimensional, eh, pienso que el capitalismo genera, de hecho, subjetividades subalternas, que, de hecho, es a la que yo me he referido cuando he hablado de las prácticas comunitarias y de lo común eh, entonces no, no, me gustaría que aclararas ese punto, porque no he entendido muy bien qué es lo que querías decir exactamente. Por otra parte, en relación también a la emancipación yo estoy de acuerdo, creo haberte entendido eh, con que la emancipación por sí misma, eh, la lucha emancipatoria, no es revolucionaria por sí misma. Lo que ocurre es que depende de cómo se entienda la revolución y también depende de cómo se entienda conectada la emancipación y la redistribución. Porque resulta que los conflictos de redistribución tampoco son revolucionarios por sí mismos. De hecho, han dado lugar a eh, respuestas reformistas como la del Estado Social Keynesiano, por ejemplo. Es decir, que no creo que ni la redistribución ni la emancipación por sí mismas sean... O no revolucionarias, me refiero que no, no me ha parecido entender que decías la emancipación no es eh, al revés confirma, no revoluciona eh, y entonces quisiera que me dijeras si según tú los conflictos de redistribución son los únicos que pueden generar procesos revolucionarios. Eh, no creo que eh, te adelanto mi opinión eh, en sí mismos o por sí solos lo consigan y de hecho es lo que se ha demostrado. Eh, en relación a la propiedad privada. Dices, en algún momento lo importante es eh, que se dé el miedo a la posibilidad de perder la propiedad, pero a mí no me parece que eso sea lo revolucionario. Yo no creo que la revolución sea la expropiación, el paso de la propiedad privada a la propiedad, digamos, a manos de otros, sea el Estado o una propiedad pública o llamémosle X, sino que más bien lo revolucionario es cambiar la lógica propietaria, la lógica mercatoria, es decir, básicamente cambiar la lógica de la propiedad. Eso es lo revolucionario, no el paso, digamos, de la propiedad de unas manos a otras. Eh, eh, esto también me gustaría que, que lo aclararas, porque también cabe la posibilidad de que no te haya entendido bien o que no te hayas detenido lo suficiente y, por tanto, no, no haya podido eh, comprender. Eh, en relación a lo último que has dicho, al fascismo, al modo en que recalifica eh, todas estas tres guerras de las que hablas, me gustaría saber cuál sería tu respuesta revolucionaria. A, a esa situación. Eh, mira, te quería preguntar respecto, estabas hablando de los acontecimientos del 68 y en las diferentes conferencias se habla de la temporalidad o de la experiencia del tiempo. Y concretamente ahora estoy con tu libro de Políticas del Acontecimiento en el que hablas de la temporalidad del acontecimiento. Entonces a mí me gustaría preguntarte sobre qué tipo de tiempo se genera en el acontecimiento. Es decir, si el acontecimiento como oportunidad para la mutación de la subjetividad, tal y como indicas en tu texto, ¿Es una oportunidad para la aceleración del tiempo o de la experiencia del tiempo? ¿O entramos en otro tipo de tiempo? Y si es así, eh, ¿cuáles serían sus especificidades? Gracias. Comienzo a responder. Yo mm -hmm. oh, parto de la última pregunta. cuestión de la. Okay. spécifié tout à l'heure. Hein, euh, mm -hmm. euh, la temporalité du présent, ça doit être une temporalité de rupture politique. Hein, C'est-à-dire seulement... <coughs> Il faut penser à un concept de rupture politique. Hein, parce que cette <coughs> histoire d'imprévu, hein, les concepts d'imprévu, pour répondre à, tout à l'heure, mais je vais revenir. Hein, le concept d'imprévu est très. Euh, 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 des sujets imprévus, donc des sujets qui n'est pas déjà là. Hein? Euh, des sujets qu'il faut construire. Hein? Mais il faut construire à partir d'une rupture politique. Hein? Il faut sortir de la gouvernementalité. Nous, on est pris dans un rapport gouvernant-gouverner, et il faut sortir de la gouvernementalité. Les conditions du capital, les conditions actuelles, par exemple, hein, comme disait Marx, hein, les conditions actuelles hein, sont des conditions négatives parce que s'il y, si, y a cette rupture, s'il y a cette rupture du présent, la première chose crée, c'est de nouveaux possibles. Et ces possibles n'existaient pas avant la rupture. Hein. Ils vont avec la rupture. Quelqu'un ce matin a parlé des possibles, mais on parle des possibles hein, seulement à partir d'une rupture. D'une sortir de la, de la logique de la gouvernementalité. Sinon, on n'arrive pas à créer de, de, de nouveaux possibles. Donc, la théorie de l'événement, il faudrait la tordre, parce que la, la théorie de l'événement, c'est une autre façon de penser le présent. C'est la question du présent qui est à son de cette théorie de l'événement. Mais il faudrait, il faudrait la tordre vers une théorie de la rupture révolutionnaire. encore. A la limite, je ne sais pas se c'è ancora possibile fare la rivoluzione, peut-être pas, ma je ne vois pas d'autre alternative. O la ripenser, o bien, voilà. Peut-être qu'à la fin d'un travail qu'on pourrait fare ensemble, on dit, Bon, la rivoluzione n'est plus possible, mais alors il faut. Donc, la temporalité, première chose, euh, c'est une temporalité de l'événement, mais c'est une temporalité de l'événement qui n'est pas euh, messianique, come chez Benning, parce qu'à la limite. De la, de, de la conception du présent et de la rupture chez Benjamin, Walter Benjamin, hein, c'est que c'est une conception messianique du présent. Elle hein, est liée, c'est comme les Messie qui arrivent. Hein. Non. Il faudrait penser à un rapport entre une situation qui est donnée, par exemple actuelle, hein, ou un mouvement politique qui opère une rupture, par exemple ce qui s'est passé en Espagne avec l'occupation des de, de places. Hein. Cette occupation de places va créer de nouveaux possibles qui n'étaient pas. Qui n'était pas, même pas prévisible avant. Et donc, un sujet imprévu monte, hein? ce nouveau possible ouvre un espace politique nouveau. D'ailleurs, voilà, sur ça, c'est inséré Podemos, par exemple. Hein? Mais après, cette, cette possibilité, elle doit se confronter avec la réalité. Et donc, il faudrait repenser complètement euh, la situation de l'événement. Non, euh, moi, j'aime pas le concept de communauté. Comme, je ne pense pas, moi, je n'aime pas Expo, plutôt, euh, donc euh, je le dis tout de suite. Hein. Je pense que cette théorie de la communauté, c'est une théorie qui ne correspond pas au rapport de pouvoir dans le capitalisme. Hein. Moi, je suis plutôt Nietzschean. Hein. C'est-à-dire au, au, au Foucaultien. Il y a rapport entre les forces. Il y a des forces, les rapports sont entre des forces, mais les forces sont toujours forcément et nécessairement dans un rapport de domination des, des, différen des, différen des, différen des différences. Commandement, obéissance, forcément ils sont dans un rapport stratégique. Hein? La camarade, la compagne grecque ce matin a lu un passage de, 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 de Foucault, on est toujours dans un rapport stratégique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est toujours dans un rapport de commandement obé et obéissance. on est toujours dans un rapport de différence. Même dans la relation amoureuse, dit Foucault, il hein, y a une différence de force. La communauté ne tient pas compte de cette radicalité hein, de la relation des pouvoirs. Elle hein, ne reconnaît pas cette. C'est pour ça que moi, j'aime pas l'histoire de la communauté. Hein, parce que je ne pense pas qu'elle corresponde. À ce qu'on train de vivre, hein. c'est pas. On n'est pas. On est dans, une commune, dans une communauté politique. Hein. On est dans une dans des relations de domination, hein, dont le néolibéralisme le montre très clairement. Hein. Le néolibéralisme est en train de détruire même les semblants de communautés qu'il y avait comme la démocratie, l'État social et tout ça. Il est en train de les détruire. Hein. C'était le réformisme qu'ils avaient mis en place en disant que on participe d'un monde commun. Il hein. n'y a pas de monde commun. Et le libéralisme est en train de démontrer ce fait qu'on n'est pas dans un monde commun, mais qu'on est dans un monde qui est divisé. La société est divisée. Elle est divisée autour de la propriété. Voilà. Les capitalistes pensent comme ça. Il n'y a, a pas d'autre chose, ce n'est pas de ma faute. Hein. Les capitalistes pensent comme ça. La propriété, il faut euh, travailler il faut organiser les welfare states il faut organiser la privatisation ça pour, euh, pour que cette division soit effective. Même, il faut approfondir la division le réformisme, mais toujours à partir de la révolution derrière hein, avait essayé de créer une espèce de, de dimension sociale le public hein, le, le néolibéralisme, une fois qu'il a gagné les guerres du XXe siècle hein, il, est, il est parti sans problème on va tout privatiser ce qui est en train de se passer privatiser l'université, les hôpitaux ils sont en train de tout privatiser les transports publics, il y a des résistances mais là la direction elle va dans ce sens et chaque jour, il y a quelque chose qui va dans ce, dans ce sens. Alors, moi, je ne suis pas contre l'émancipation en soi. L'émancipation, mais à l'intérieur d'un projet qui est quand même un projet révolutionnaire. C'est ça que je dis. Hein. Je dis pas. Il <coughs> y a un, un théoricien de l'émancipation qui s'appelle Jacques Rancière, hein, qui, par contre, lui pense l'émancipation sans la révolution. L'émancipation, c'est un terme kantien. L'émancipation, c'est sortir de l'état de minorité. Kant dit, hein, dans ses textes sur l'illuminisme, s'émanciper, c'est sortir de l'état de minorité. C'est l'humanité qui commence à penser par soi-même. Le concept réel d'émancipation, c'est ce concept kantien, je pense. Hein. La révolution, c'est autre chose. La révolution, c'est... J'ai la faiblesse de penser que c'est une rupture révolutionnaire, une transformation de la subjectivité et une destruction de l'ennemi. Je pense qu'il faut détruire le capital, sinon je ne vais pas. L'émancipation euh, qui n'arrive pas à détruire hein, euh, le capital, elle va subir un contre-coup absolument fondamental. Est-ce qu'il y a l'espace de l'émancipation aujourd'hui Il y a des petits espaces d'émancipation, effectivement. Mais qui n'arrivent pas à mettre en discussion les le systèmes qui va vers une, une direction très euh, précise, hein, dont le capital au sein. Parce que tout ça, et en même temps qu'il a cette destruction, hein, là vraiment biopolitique, hein, de la possibilité de survie du monde. Non, je ne pense pas que... Les... Non, je, je, je me suis fait mal comprendre. Hein. Mais je pense pas que les, les, les luttes importantes soient les luttes sur la redistribution. J'ai dit qu'il faut contre le capitalisme, mais le capitalisme, c'est un ensemble de relations de pouvoir, relations de production, relations raciales, relations de domination sexuelle. C'est cet ensemble de relations qui constitue le capitalisme. Le capitalisme n'est pas seulement les rapports de production à la Marx, hein. Il comprend aussi la domination de la femme et la domination raciale. Donc cet ensemble de relations constitue le capitalisme. Donc <coughs> il y a eu un, un débat très intéressant entre Fraser et, et, et Butler sur cette, cette question. Hein. Je ne suis pas sur la position de, de, de Fraser en hein, disant effectivement le problème c'est qu'on a oublié et la lutte sur la redistribution, la lutte économique contre le capitalisme. Non, le capitalisme, c'est l'ensemble, justement, Foucault dit effectivement, c'est une machine de guerre complexe, complexe. J'aime pas le terme complexe. C'est une machine de guerre, le capitalisme, hein, qui comprend à l'intérieur les modalités du travail, si vous voulez, mais aussi les, les, les formes de domination. Domination sexuelle, domination raciale, qui sont pas exactement les mêmes. Hmm? L'effet de faire la révolution à niveau de la redistribution ne va pas résoudre la question de la domination de la femme, ni de la question raciale. Hein? Il faut les poser et ils font partie ensemble de la machine de guerre du capital. Donc absolument pas, je ne dis pas qu'il faut, euh, euh, qu faut euh, se limiter à la redistribution, au contraire. Là, on revient à la forme de marxisme traditionnel, que je ne pense pas qu'il soit à, à la hauteur de ce qui s'est passé. Hein? La, forme de la, la lutte seulement sur la distribution, c'est une vieille forme marxiste qui ne marche pas, qui se sont justement, à mis en discussion. Hein. Si vous lisez ce livre de Lonsi hein, qui s'appelle euh, Crachon sur Hegel, hein, vous voyez, il y a une violence incroyable contre la révolution soviétique, que, 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 de toute façon, c'était un, un acte très important, mais c'est une violence directe, hein, parce qu'il dit effectivement, les marxistes, et là, il se prend à Lénine directement, n'arrive hein, pas à intégrer ce problème de ces formes de domination. Et pourquoi après, il va les expliciter <coughs> Sur la propriété, je ne me rappelle plus la question, sur les publics, euh, bon, j'ai marqué propriété publique, euh, je ne me rappelle plus la question, mais... mais euh, là, le capitalisme, comme je disais tout à l'heure, surtout le libéralisme, il, il faut. C'est la question de la, de la, euh, de la propriété, absolument euh, fond, euh, fondamentale. Mais je me rappelle plus la question, donc je ne réponds pas. Euh, pour, pour la première, pour la première, quand je dis qu'il faut réintroduire la pensée de la guerre, je veux dire que il faut introduire une pensée, une pensée stratégique. Hein. Mm. Une pensée stratégique à la Lénine. Hein. Lénine, c'est l'homme politique le plus important du XXe siècle, c'est Lénine, parce qu'il avait une pensée stratégique. Hein. Une pensée stratégique. Et la, cette histoire de la rupture, elle est fondamentale, parce que le problème de la révolution russe, je pense, c'est effectivement reconquérir cette question de la stratégie politique. Hein. Si les forces sont dans un rapport, comme dit Foucault, hein, toujours dans un rapport stratégique, hein, à un niveau micro, dans les relations amoureuses, dans les relations d'amitié, on est déjà dans un rapport stratégique. Mais il faut le prendre dans le bon sens. Hein? C'est un rapport stratégique, mais qu'il est réversible, dit Foucault. On peut le, le renverser, ce rapport. Hein? Ce qu'on ne peut pas renverser, c'est quand il devient une question macro-politique et, et qui donne lieu à la guerre. C'est là qu'il devient pas réversible. Pour le renverser, il faut faire la guerre, dit Foucault, fondamentalement. Hein? Mais cette question de la. Euh, de, la, de, la, de la stratégie, c'est une question qu'il faudrait reposer. Les seuls qui ont un point de vue stratégique pour l'instant sont les capitalistes. C'est-à-dire qu'on a abandonné ce point de vue stratégique. On a abandonné ce point de vue macro-stratégique. On s'est réduit toujours au micro. Mais d'ailleurs, euh, Foucault et Watari disaient qu'on ne peut pas... Hmm, El les, les micro, si no pasa en pas las macro, no existe. Entonces, hay que pasar qu en las macro. Pero si macro, es una relación estratégica, es una relación de guerra, yo pienso. Sí, tenemos... Bueno, yo que te quería preguntar una cosa. Sí, sí. sí porque de repente eh, tú has um, planteado ¿no? eh, que desde tu punto de vista hay algo extemporáneo en lo que planteaba esta mañana... Uh, hacina ¿no? Re eh, respecto al, al futuro que tú ubicas como una temporalidad propia del siglo XIX, pero me parece que también en, en esta demanda que tú haces de recuperar el, el pensamiento estratégico que yo comparto, eh, se están manejando referentes que son eh, ante todo el siglo XX. Y me pregunto si no hay algo también profundamente extemporáneo en esa reivindicación. Eh, pienso que, por ejemplo, eh, lo que ha comentado esta mañana... Eh, María Eugenia, ¿no? En relación a la necesidad de repensar lo común y su uh, materialización también en las formas del, del derecho, ¿no? Eh, como un pacto intergeneracional que además haga cargo de nuestra ecodependencia, apunta a una dirección diferente que no estaba incorporada, digamos, en ese pensamiento estratégico del siglo XX. ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, por sintetizarlo así de manera. Eh, Vamos, eh, eh, muy, muy simple es eh, es posible eh, retornar sobre Benjamin para repensar desde él un pensamiento estratégico. Oh, Benjamin ben, es muy complicado, porque él a una visión messianique, yo no lo pienso. No, el pensamiento digo, como alternativa al tiempo lineal del, del siglo XX, ¿no? Puesto que también en realidad está viviendo también de fuentes que vienen del XIX que tienen que ver con, por ejemplo, con, con Blanqui, ¿no? Y la idea del tiempo circular, que por cierto estaba también presente en el sí. origen del concepto de revolución moderno en Coselec y demás, ¿no? Me parece que esa idea del tiempo circular que también maneja hoy María Eugenia puede tener mucho más que decirnos que de repente, digamos, esta, esta ¿no? Esta... La oui, lutte de la politique mais, contre l'histoire no, oui, du Quand je pense à une question stratégique, c'est par exemple, quand on pense aux communs, hein, mm. où on part de la ré situation réelle, que c'est une relation de division, hein, on ne peut pas présupposer que les communs a déjà résolu le problème. Mm. Non, il n'y a pas de communs. Hein. Mm. C'est comme quand les gens discutent, voilà, ils discutent autour d'une table hein, comment faire le revenu universel. Mais, mais ce n'est pas, pas la peine de se mettre autour d'une table. Il faut partir de la réalité. La réalité, c'est la division des classes, mm. la division des de sexes, la division raciale. Ça, c'est stratégique. Pour prendre en considération ça, à partir de là, on peut, ne on peut pas faire un, 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 un discours abstrait sur le commun. Mm. Hein, comme, pas elle, je pense à... à, à Uh, au post italien. un discours abstrait sur le commun un discours abstrait sur la ce serait bien effectivement euh, de, ce serait plus rationnel appliquer les revenus universels hein? mm -hmm. Keynes, que j'ai dit tout à l'heure hein, ils sont disposés à éteindre le soleil et les étoiles plutôt que perdre la, euh, la, la propriété privée ils ont été obligés par une courte période d'accepter le réformisme, c'est-à-dire 30 ans, ils ont été obligés d'accepter le réformisme, hein, mais pas parce qu'ils étaient devenus plus intelligents, ils étaient obligés, hein, pour une conjonction des différents facteurs, la révolution russe, les guerres catastrophiques qu'ils avaient menées à cause de de, 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 impéri de, de, de poussées impérialistes, la crise du 29 hein, ils étaient dans ces conjonctures là ils ont été obligés par une longue par une petite période de devenir réformistes dès qu'ils ont dès, dès que la dès que la situation politique a changé ils sont ils ont laissé complètement tomber le néolibéralisme, c'est ça c'est la fin ça c'est une pensée stratégie ça c'est une pensée qui dit, effectivement, on gagne 68 et on revient au capitalisme Financiers qu'on avait mis en place à la fin, à la fin du 19e, mais on le pense différemment. Mmh. Ça, c'est une pensée stratégique. Nous, on n'a pas une pensée stratégique. On est comme ça, on est chacun de son côté, les féministes d'un côté, les autres de libération de l'autre, les post-opéraïs de l'autre. Les... On n'a pas une pensée stratégique. Mmh. Il faudrait commencer, et c'est compliqué de mettre ensemble ces choses qui sont hétérogènes. Hein? Mais je pense que là, on aurait vraiment la nécessité d'une pensée stratégique. ¿Hay más preguntas? Hola. a eh... en italiano. El micrófono también produce subjetividad. Me oigo doble, perdón. Has dicho antes que los capitalistas no tienen ideología. Entonces pensé en una reciente entrevista a Chomsky que cuando uno es Foucault ya no recuerda ese debate entre Chomsky y Foucault en los años 70 yo empecé muy Foucaultiana y acabé un poco Chomskiana porque Chomsky tenía algo naif que me no a pesar de mi furor de entonces por Foucault y entonces Chomsky dice que a mí me da mucha pena cuando pienso que igual se va a morir con Trump en el poder con todo lo que ha visto no dice que uno de sus grandes errores fue no mm, darse cuenta de que los capitalistas también tenían ideología y que estaban desarrollando think tanks y pensando y él solo miraba hacia la izquierda y cómo se desarrollaba la, la, la ideología de izquierdas. Y bueno, lo hablaba ahora en presente, que siente que ese fue un error suyo. Entonces yo me preguntaba o te pregunto, sin ánimo de contestarme aquí, que ahora que hablamos de la ideología capitalista o del capitalismo como ideología, que produce subjetividades, y se puede ver en gente, o yo lo percibo en gente que ha nacido más tarde que yo, la cuestión del sacar beneficio a todo. ¿Cómo es posible que si el capitalismo, los capitalistas no tienen ideología, como algo que no tiene ideólogos, se acabe convirtiendo en una ideología tan fuerte? ¿no? Y sí que pensaba ahora, escuchándote, que quizás el capitalismo es praxis continua y que a los que nos ubicamos en la izquierda nos, nos sobran con muchas comillas, quiero decir, teorías. Pero es cierto, vamos a una librería, yo a cualquier librería que entro, lo, o igual es por la sección a la que voy, ¿no? los libros que uno ve son más o menos de izquierdas en todo caso son de allí de terapia los de derechas de el entrepeneur, no y... pero no ves libros de <laughs> bueno siempre he querido que Foucault es perfecto para si uno quiere instaurar el poder o se ha leído desde un lado perverso te da muchas instrucciones no pero sí es, sí es cierto que igual es una... no hay tantos ideólogos capitalistas o no son tan públicos o no son tan visibles cómo es posible ¿no? que acaba convirtiéndose en una ideología que nos permea a todos, incluso cuando somos de izquierdas sentimos ciertos, ¿no? en ciertas opiniones o sentimientos que tenemos, sientes que te atraviesa. No, yo no creo que et la ideología la producción de subjetividad sean la misma cosa. yo no creo du tout que la ideología y la producción de subjetividad sean la misma cosa. Mm. Los capitalistas, es decir... La façon avec laquelle les capitalistes organisent euh, la production, hein, c'est justement parce qu'ils ont rompu avec cette différence entre structure et sur-structure d'origine marxienne. Mm. Donc ils ont rompu avec cette histoire de l'idéologie. Hum? Toujours à référence même au, au, au discours qui faisait hier, les camarades euh, matérialisme historique. Hein? <laughs> La force fondamentale, c'est qu'effectivement, il n'y a pas cette euh, séparation. Hein? J'écris un livre euh, qui a été publié aux États-Unis. Ou sur, sur, le, sur les sémiotiques chez Deleuze et Guattari, hein, qui sont très qui en sont très importantes. Les sémiotiques les plus importantes qui produisent la subjectivité ne sont pas des, des sémiotiques idéologiques. Hein? Ce sont des sémiotiques comme la publicité, mais la sémiotique plus importante en réalité, c'est la monnaie en tant que telle. Ça, ce n'est pas de l'idéologie. Hein? Après, il y a à côté, il y a les, les informations, les journaux télévisés, mais ça non plus, ce n'est pas l idéologie Et les faits qu'ils ont... Qui travaillent, par exemple, ils font des think 5, tout ça. c'est pas de l'idéologie, hein? c'est une stratégie. C'est différent. C'est ce qu'il faudrait faire. Ils ont passé déjà dans les années 30, les capitalistes ont commencé à passer autour de Hayek, tout ça. Ils ont fait des centres, des. Euh, euh, ils ont construit un discours qu'ils ont commencé à faire pénétrer dans, université, dans les universités, dans les journaux, dans la publicité, comme ça. Ça, c'est de la stratégie, c'est pas de l'idéologie. Ils ont un projet et ils se donnent les moyens pour que ce projet rentrent. Hein, et ça a marché. C'est-à-dire qu'ils ont réussi effectivement à infiltrer toutes les universités, à, infiltrer, à construire avec l'argent des 6-5, comme tu dis, qu'ils ont réussi effectivement à devenir majoritaire dans, dans les universités, dans l'administration, la, dans la, dans etc., etc. Ça, mais je l'appelle stratégie, je ne l'appelle pas idéologie. Hein. L'idéologie, c'est un discours qui est hum, très hum, vague et très général, hein, qui s'opposerait... À quelque chose de matériel, de structurel. Non, je pense pas. Je pense que c'est très eh, eh, étroitement eh, étroitement lié. Donc, je serais plutôt contre cette idée d'idéologie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais après... Peut-être que je pas très bien compris l'espagnol que tu as parlé tout à l'heure. Alguna pregunta más? Pues... Eh Muchas. Ah, tenemos una pregunta. Y ya damos paso a cinco minutos de sí. eh, Hola. Eh, básicamente la voy a comenzar con la pregunta y después iré a, a mi argumento en el caso de que la respuesta sea negativa. ¿no? Eh, <laughs> eh, eh, a mí me da la impresión de que. Existe una infravaloración de un actor político concreto que es precapitalista, que sería todo el mundo indígena que aún pervive en el tercer mundo de alguna manera. ¿no? Eh, y me parece un actor sumamente importante hoy día por lo que, todo lo que, en lo, que, en lo que respecta a lo que se está hablando. Primero porque me parece una fuerza que aparentemente se ve como pasada, pero es absolutamente presente porque ahí está todavía. En segundo lugar, me parece que replantea estos ejes de lo que usted habló de la propiedad, de la guerra y de la revolución. La, con respecto a la propiedad, porque ellos están en, viviendo donde están los recursos naturales, que cada vez se agotan más y es a por los cuales el capitalismo va. Y en la guerra, porque justamente este mundo precapitalista, este hombre y esta mujer precapitalista, tienen una absoluta debilidad discursiva que por ahí nosotros no tenemos, pero tienen la resistencia. Yo porque soy de un país donde hay población indígena lo sé, hay poblaciones indígenas no contactadas que dicen no vamos a salir de acá hasta que nos maten. Esto pasa en las últimas reducciones en el mundo en Amazonas en Brasil o en Paraguay donde soy yo, donde están los últimos grupos silvícolas contactados y dicen no vamos a salir de acá. Hay grupos que eh, se suicidan con tal de no entrar a la lógica capitalista. Hay, por supuesto, los que se venden o los que eh, ingresan de alguna u otra manera o son ingresados, ¿no? Entonces yo creo que el paso ahí, el tercer paso de los ejes que estaba hablando, ¿no? de la revolución, es como ver cómo estas, eman estas emancipaciones que ponen el cuerpo pueden llegar a ser revolucionarias. Y creo que eso es lo que a lo mejor puede ser estratégico, ¿no? porque... Eh, Claro, es una... En este caso también abre un poco el debate sobre lo que es lo étnico y lo racial, ¿no? Porque una cosa es, eh, y esto hay que muchas veces se pasa de largo, una cosa es estar racializado, yo perfectamente estoy racializado, en cambio soy completamente occidental, ¿no? No es cómo se ve uno, sino esta gente es como es en realidad. Y la lucha va a... Co a, a la, la disputa va porque son... Por cómo son, ¿no? Y, es, y, y el, la resistencia es. Estaba usted hablando de. Con esto cierro, ¿no? La cuestión de los fascismos, ¿no? Si hoy hubiera una alternativa como lo que fue el comunismo, eh, los fascistas estarían haciendo rodar nuestras cabezas. Pues cada semana desaparecen una tribu indígena en Brasil, no. matan y envenenan indígenas en Paraguay. Eh, y cada semana, ¿no? Y es una lucha a muerte. Yo creo que eso sí es como una cuestión del fascismo. Qui la cabeza, et je crois que la résistance est à vie ou à vous savez que Marx a été posé cette question hein, à la fin de sa vie. Deux femmes russes hein, lui ont expliqué à Marx hein, que ce qu'il voulait réaliser, c'est-à-dire l'abolition de, la de la propriété privée, existait déjà. En Russie, dans des, dans des communautés paysannes pré-capitalistes. Hum? Je ne me rappelle plus les le noms de ces deux hum, révolutionnaires. Hein? Et une, autre, une autre, et qui autre, était, autre qui était une dirigeante aussi de la Commune de Paris, et donc qui organisait la lutte des femmes pendant la Commune de Paris, ont expliqué à Marx qu'effectivement, dans le pré-capitalisme, ce hein, n'était pas nécessaire cette théorie des stades. Hein, Marx a, 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 a eu un moment, de, il a commencé à réfléchir, il a limité la vie. Ma théorie des stades, hein, donc il faut passer par, hein, par l'évolution des forces productives, etc., vaut seulement pour l'Europe, vaut pas pour les, pour les autres pays du monde. Hmm? Mais effectivement, ouais, je pense que les deux camarades compagnes et, hum, russes avaient raison. Ouais. Le, le précapitalisme, il n'existe pas de retard. C'est ça la théorie du retard. Hein? On est en retard. Vous êtes dans une situation de retard. Hein? Sous-développé. Ça n'existe pas. De point de vue politique, il n'y a pas de retard. Hein? Ça, c'est la théorie, effectivement. Étant donné qu'il y a retard, il faudrait combler le retard. Non. Hein? Les paysans euh, vietnamiens ont fait euh, la révolution. Hein? Ils étaient en retard objectif. Hein? Du point de vue de la théorie marxienne du développement, ils étaient en retard. Hein. Ce n'était pas le point le plus élevé de, de, de développement des forces productives. Donc, tout à fait, si on abolit cette théorie du retard, hein, et si on abolit effectivement, il faut passer par le capitalisme. Hein. Parce que Marx et Engels, ils disaient des choses, euh, à un certain moment de leur vie, ils, disaient, ils ont dit des choses incroyables à Engels. <coughs> Quand il y a eu la, euh, la lutte euh, en Algérie, il hein, y a eu. Et les, les Algériens qui se sont euh, révoltés contre euh, la copulation de l'impérialisme euh, français à la moitié du 19e. Hmm? Les Français gagnent et Engels se dit ils sont très violents, c'est très dommage, mais, mais d'un certain point de vue, c'est bien parce qu'on pourra effectivement implanter les rapports de production capitaliste et après on peut arriver au socialisme. Hein? Et Marx dit la même chose avec l'Inde. Hein? L'Inde, dit la même chose. Donc, les, les Anglais sont féroces, sont très méchants, ils ont tué plein de gens, mais ils portent les rapports de production qui permettront de développer les, euh, euh, le communisme. Ça, c'était une théorie catastrophique, d'un certain point de vue. Hein? C'est une théorie catastrophique, et une théorie du retard. Il faut abandonner cette théorie du retard pour pouvoir effectivement développer ce type de, de dynamique subjective. Hein? Bon. Bon. Bueno, pues eh, tenemos ahora cinco minutos de descanso, ¿de acuerdo? Y seguimos con la película.